Alors, retour de course qui devient de plus en plus petit. Voilà, parce qu'on ne fait de plus en plus maison, donc du coup, voilà, on revient aux essentiels. Alors, on a fait magasin bio et Lidl Belgique. Il manquera encore le primeur. Alors, ouais, on a fait le Leroy Merlin, mais ça, je vais pas vous le montrer. On a été chercher des produits pour le spa. Oui, donc il manquera le primeur et je pense qu'il ne manquera pas la boucherie parce qu'on a tout pris à Lidl en Belgique. Voilà. Donc ça sera logiquement juste le primeur. Il y a quelques fruits et légumes, mais le plus gros viendra du primeur. Mais j'irai plus en fin de semaine parce qu'il me reste quand même pas mal de fruits à la maison. Et je voudrais d'abord faire passer ça avant de refaire le plat. Alors, on commence ensuite par les surgelés. Comme ça, chérie va me les mettre au congélateur avant que ça se dégèle. J'ai juste pris des framboises. Ça, c'est un truc que j'aime bien avoir dans mon congélateur tout le temps. Là, j'en avais plus. C'est au cas où... Enfin, c'est pas au cas où. Je m'en sers pour aromatiser mes yaourts, pour en dessert, pour moi le petit déjeuner. Enfin, voilà, je m'en sers beaucoup. Et il y avait des edamames. Alors, c'est pas un moment que je voulais goûter. Donc, du coup, je les ai pris. On verra si c'est bon. C'est pas du tout à quoi ça ressemble. Je pense que ça doit ressembler un petit peu à des fèves. Enfin, c'est un légume. Enfin, c'est un truc comme les petits pois, les fèves. Enfin, voilà. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a pris au niveau du surgelé. Je continue du coup avec la viande. Alors j'ai pris les steaks pour chérie et les enfants. Moi j'en mange pas, comme vous le savez si vous nous suivez dans les vlogs. Voilà. Ensuite ça c'est pour chérie et les enfants. Alors quand je dis les enfants, et Kimberly non plus ne mange pratiquement plus de viande rouge en fait. Elle ne mange plus non plus de porc. Enfin ça dépend lequel. Voilà. Et puis c'est un petit peu aussi c'est une ado, enfin c'est une ado, c'est une jeune adulte, donc il y a des moments où le plat lui fait envie, elle va en manger, et il y a des moments où elle en veut pas et on force pas, voilà. Donc et ensuite j'ai pris aussi des côtes de porc, c'est pour si chérie et les enfants. J'ai pris du saumon, il était en promo. Je vais peut-être aller... bah non, il est là. J'étais en train de me dire, je vais peut-être aller chez mon menu, mais non, ça va, il est là. Alors le saumon, c'est pour faire... Alors que je retrouve, c'est du saumon avec une salsa grecque avec du riz au citron et des asperges. Hop là, ça c'est bon. Ensuite, ben ça c'est pour moi, c'est des steaks végé. Alors là c'est au poivron. J'ai goûté la semaine dernière, j'avais pris les escalopes et les saucisses, elles sont trop bonnes, franchement j'adore. Et ça fait un moment que j'en trouvais plus à Lidl. C'est de la viande, enfin voilà, c'est comme de la viande hachée en fait, mais c'est de la fausse viande hachée, hein. C'est à base de protéines, voilà, de soja et des épices. Donc voilà, j'en ai repris. Parce que même ça, chérie, les enfants aiment bien quand je fais style un chili ou une... voilà, mais c'est surtout pour moi. Ensuite, je leur ai pris du fil américain. Ça, c'est pour eux aussi. Moi, j'en mange pas non plus. C'est pour les sandwichs cette semaine, fil américain. Chérie va faire du café. Attention, la cafetière, comme tous les lundis, à chaque retour de course, il a une folle envie de café au moment où je filme. Hein, chérie ? Ouais. Ah, c'est toi qui l'as trouvé. Je me prends pour m'installer. Des escalopes de poulet. Ça, c'est pour... Alors j'en ai pris deux, il y en a un, je vais faire des cordons bleus de poulet avec du chorizo et une purée de chou-fleur en accompagnement. Il y en a un autre, c'est pour faire des grits cheese, je vais les couper en petits morceaux en fait. Je vais faire des grits cheese au poulet bacon avec de la salade. Grits cheese, qu'est-ce que c'est? C'est comme un croque en fait, voilà. À part que le croque monsieur, logiquement, c'est avec du jambon... du fromage, voilà. Là, le grits cheese, c'est un peu tout et n'importe quoi. Et j'ai repris... En fait, c'est le grits cheese, c'est le croque monsieur l'américaine. Ensuite, du coup, escalope de dinde. Et ça, c'est pour faire...
Alors, que je reprends le menu. Non. Alors. Bah alors, il est où? Quoi? Bah, est-ce que je vais faire avec la dinde? Oui. Bah non. Ah voilà, c'est pour faire des pâtes à l'italienne. Je suis désolée du blanc là. Des pâtes à l'italienne un midi. Alors ensuite, hop, j'ai pris du coup des rondelles de chorizo pour les croque monsieur. Il y a pas, tout ne va pas partir, mais l'autre morceau, je le mets de l'autre partie, je le mettrai sûrement sur la planche pour la planche de dimanche soir si vous nous suivez. On mange une grande planche avec plein de trucs dessus. Voilà, c'est ce qu'on mange. Enfin, on mange pas la planche, hein, on mange ce qu'il y a dessus. Je me doutais que t'allais me dire quelque chose. Des lardons de bacon. Alors ça c'est pour faire, je vais faire des buns farcis champignons bacon cette semaine. Donc en fait les enfants, on en a vu à la télé. Et du coup ils m'ont dit, ah ça fait longtemps que tu en as pas fait. Donc du coup voilà, je vais en faire. Du bacon, ça c'est pour les grilled cheese au poulet bacon. Du blanc de poulet, ça c'est pour la planche. Du pain de viande au poulet cuit au four, ça aussi c'est pour la planche. De la truite fumée, c'est pareil, c'est pour la planche. Et ça c'est pour un sandwich cette semaine, c'est des côtes de porc grillées. Ah, il y a ça encore. Ah, madame, ramène chérie. Et j'ai pris une, alors c'est comme une tartinade ou je sais pas quoi, végétarienne, c'est façon tartare. Alors on verra, on goûtera. Mais c'est des protéines de soja. Enfin voilà, c'est... hop là, boum. Il y a quoi dedans? Oh, légumes stérilisés, cornichons, poivrons rouges, vinaigre, fèves de soja, concentré de tomate, moutarde, huile de colza, sauce anglaise. Je dirais pas le mot, c'est pas ce mot-là qui est écrit, mais je sais pas le dire. Worcestershire. Du sucre, vinaigre d'alcool, enfin voilà, c'est un mélange, mais voilà, il n'y a pas l'air d'avoir de trucs conchancetés dedans. Donc à goûter. Il y avait plusieurs sortes, on a choisi tartare. Ensuite, j'ai repris du beurre salé, ça c'est pour chérie et les enfants. Et Angel m'a envoyé un message en me disant qu'il devait faire des cookies pour mercredi. Donc je lui ai repris du beurre pour faire ses cookies pour l'école. J'ai pris aussi, alors c'était le truc grec, c'est opération grecque. Donc du coup il y avait de la pâte philo. Alors il était écrit pâte feuilletée. Et je regarde et je dis mais non, mais c'est pas de la pâte feuilletée ça, c'est de la pâte philo. Et justement j'en avais besoin, donc du coup j'en ai pris. En fait il me fallait des briques. Et pâte philo, briques, je trouve que ça se ressemble un tout petit peu. Donc du coup hop, ça sera pâte philo. C'est pour faire des corolles de... avec un œuf et des poivrons dedans en repas pour la semaine. J'ai pris du yaourt comme ça, j'ai pris que ça en yaourt parce que je vais refaire mes yaourts maison. Mais en attendant que chérie me trouve un système D, que vous verrez sûrement dans les vlogs dans pas longtemps à mon avis, parce qu'il va falloir qu'il fasse assez vite, ben, j'ai pris du yaourt comme ça juste en attendant. J'ai repris aussi deux pots de skyr, hop là je suis débordée. Et chérie est assis et me regarde. Et il va pas se dire, ben, je vais venir lui donner un coup de main, je vois que tout y tombe. Non? Ça c'est pour la planche. Bon, poivron grillé, artichaut grillé, tapenade. Alors c'est chérie qui a choisi. Hein. Ça se voit. Hein. Ça c'est pour les sandwichs. C'est pour... non, c'est pas pour des sandwichs. C'est pour une recette, c'est pour les grilled cheese. Enfin voilà, les choses comme ça. Feta, c'est parce que j'ai prévu de faire une salade de lentilles à la feta. Ça, c'est pour, voilà, du gouda. C'est pour la planche. C'est pour la planche, le gouda. Et la petite brique. Stacy l'adore, celle-là. Donc, hop, des olives. Filet de poulet, ça c'est moi qui ai choisi. Gouda vieux. Et voilà, je pense que c'est tout au niveau viande, fromage, charcuterie. On va passer par derrière. Il n'y a pas grand chose, donc je crois que je vais vous prendre à la main. Et après, je vous montrerai aussi ce que j'ai acheté au magasin de bio. Donc au niveau fruits et légumes, on a un petit peu, mais pas énorme. J'ai racheté des citrons bio. C'est pour faire mon kéfir. Voilà. Brocoli, parce qu'il m'en fallait pour ce soir. J'avais oublié d'en acheter et il m'en faut à tout prix. Donc du coup, voilà, pour le repas de ce soir. Autrement, il n'y aurait pas eu de brocoli, ça aurait été malheureux. Donc j'en ai pris deux. Des endives, c'est surtout pour Blue. Alors il doit y avoir deux paquets, oui. On a un deuxième ici. C'est pour le lapin de Stacy. Des poivrons.
pris aussi des petites asperges ici, deux piments rouges, j'ai une mangue ici, j'ai repris une pastèque, des fruits de la passion et un gros sac de pommes de terre. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris en fruits et légumes. Ensuite, au niveau épicerie, j'ai repris de la farine, donc c'est la farine T65 bio. Ça c'est pour chéri, c'est des bâtons, enfin les enfants aussi en mangent, hein. Souvent, voilà, c'est comme des bretzels en bâton là. Trois boîtes de sauce tomate en cube, du café, ça c'est pour faire du sucre à la violette, comme on prend que des yaourts nature. Voilà, je sais que c'est très bien et qu'elle m'en réclamait. On ne sait pas ce qu'il y a de plus sain, hein, mais voilà, de temps en temps, elle pourra aromatiser son yaourt si elle le désire, avec du sucre à la violette. Ça, c'est pour chéri, pour le soir, des gaufrettes comme ça. Et il s'est pris aussi un paquet de gaufres. J'ai pris deux plaques de chocolat noir. C'est pour faire un gâteau cette semaine. Je vais faire un gâteau, un fondant au chocolat aux haricots rouges. Voilà, on va goûter, on verra ce que ça donne. Ça, c'est les dosettes de café pour chéri. Et ça, je me suis... ça, c'est du lait demi-écrémé. Alors, c'est du bio. C'est pour faire mon kéfir de lait et aussi pour faire mes yaourts. J'en ai pris qu'une parce qu'elle a 0,99 la bouteille. Et à Leclerc, le lait bio est beaucoup moins cher. Donc, du coup, je vais faire une commande et j'irai chercher au drive de Leclerc. Mais en attendant, j'ai juste pris une bouteille. Je me suis pris aussi mon lait d'amande. Ça par contre il est très bon, j'aime bien. Et ça c'est la boisson sucrée pour les enfants, donc orange, c'est pour eux le matin et quand ils ont envie d'un truc, en fait on n'achète plus de trucs pétillants ou d'autres, on prend que du jus d'orange. Je préférais qu'ils boivent autre chose, mais voilà, on va leur laisser quelque chose quand même. Pomme, mangue et fruits de la passion, il aime bien. En fait je préférais les presser moi-même en fait, mais ce qu'il y a c'est que le matin ils me disent qu'ils ont la flemme, qu'ils n'ont pas le temps, et puis le... Voilà, quand ça va plus vite, ils ouvrent la bouteille, enfin voilà, c'est des ados, hein. Des sacs poubelles, voilà, petits et des grands, ça c'est pour le bain de bouche à chéri, et du vinaigre ménager, enfin du vinaigre, mais c'est pour moi faire le ménage, donc voilà, c'est tout. Oui, et puis je reviens sur le jus d'orange, mais comme Tim parlait, elle aime pas le jus d'orange fait maison à cause de la pulpe qu'il y a dedans. Et oui. Hein? Quand je dis les ados, ils savent pas ce que c'est bon, hein chéri? Bon, mais du coup là moi je vous mets le menu qui va défiler là tout de suite. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté au magasin bio. Donc au magasin bio on en a eu pour 41 €. Et des brouettes. Et des brouettes, hein, moi j'ai le ticket ici. 41,18 €. Voilà. Et mais on en a eu pour autant, mais vous allez voir, j'ai mon sucre qui vaut assez cher en fait. C'est le xylitol que j'utilise beaucoup en cuisine. Parce qu'en fait, il a un indice glycémique bas et c'est un sucre naturel. Donc du coup, ça, voilà, ça se représente comme ça. C'est un sucre, voilà, comme je vous ai dit, qui vient de l'écorce du bouleau. Mais comme là, elle vaut 16,45 € pour 1 kg. Donc alors on l'utilise, voilà, avec 1 kg comme ça, je vais y aller tout le mois. Hein. Donc ça vaut quand même le coup, mais voilà, ça explique un petit peu le prix des 41 €. Et puis j'ai pris ça aussi, des sacs réutilisables pour pouvoir éviter d'utiliser les sacs craft du magasin. Donc voilà, il y en a 5 dedans. Hop. Ça c'était, si je vous dis peut-être le prix, ils étaient à combien les sacs? Je sais pas, j'ai pas vu le prix. 3,15 € pour les 5. Mais bon, après, vous les avez à vie, hein. Ouais, c'était ça. Bah, t'avais pas vu, sur il y avait une petite étiquette écrite. Non. Mais tu sais que les grands, ils étaient à 3,50 €. Ah bah oui, les grands, bah oui. Alors ensuite... Ah, mais après, tu les utilises tout le temps. J'ai repris du jus de pomme, c'est pour faire un kéfir au jus de pomme au cidre. Pas tout de suite parce que je viens d'en faire, mais voilà, ça serait au cas où. Tout à l'heure, je vous parlais dans le vlog, en fait, je vous parlais de l'huile. Donc du coup, voilà, on a acheté de l'huile de colza. Je vous en parle un peu plus dans le vlog d'aujourd'hui que vous verrez jeudi. Donc si ça vous intéresse, allez voir. En fait, j'ai fait des petites recherches. J'avais entendu dans une émission qui a été meilleure pour la santé que, que l'huile de tournesol ou que l'huile d'olive. Donc voilà, j'ai fait mes petites recherches et je vous en partage un petit peu. Du coup, dans le vlog que vous verrez jeudi.
Ensuite, j'ai juste pris une orange bio et un citron vert bio. C'est pour mon kéfir. Je vais faire un haut à l'orange et puis un au citron. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? Alors, du riz basmati demi-complet. Hop. Je vous montre pas, hein, c'est du riz. J'ai repris des canneberges séchées. Alors, les canneberges séchées, je les prends en bio parce qu'en fait, là, elles sont séchées dans le, avec du jus de pomme. Alors que quand on les achète à Lidl ou quoi, regardez au niveau des ingrédients, vous allez voir qu'il y a du glucose dedans. Donc, du coup, elles sont plus saines en bio. Bon, elles sont plus chères, hein, mais on utilise un tout petit peu. Et là, et là, en ce moment, je les utilise beaucoup pour faire mon kéfir. Pour faire le kéfir avec la rhubarbe et l'hibiscus. Les loulous l'aiment bien celui-là. J'ai pris des lentilles. Alors, c'était la première fois que j'en voyais des comme ça. Il est écrit lentilles, lentilles dalle. En fait, c'est des lentilles jaunes. Je vais essayer de vous montrer. Je vais vous abaisser. En fait, elles sont pas oranges, elles sont jaunes. Alors, voilà. Ça fait vraiment un jaune, style jaune poussin, quoi, en fait. Donc, je vais voir, on va goûter, voir la différence par rapport, parce que d'habitude, mes dalles, je les fais avec des lentilles corail. Donc là, je voudrais voir la différence avec les lentilles corail. Et puis, c'est pour un petit peu aussi changer de légumineuse de temps en temps. Ensuite, j'ai repris du sucre de canne complet du Rapatura. Donc, pareil, je ne vous montre pas. Donc, c'est en pâtisserie pour nourrir le kéfir. Et puis voilà, pour mettre aussi dans les yaourts, toutes les choses comme ça. J'ai pris des lentilles vertes, donc là c'est des normales. C'est pour aussi cette semaine, bah, c'est pour faire la salade. Et ça ici, les lentilles de dalle, c'est parce que je vais faire une recette avec des champignons, une recette indienne. C'est pas vraiment comme un dalle, mais ça y ressemble. Ça n'a pas le même nom, on va dire, mais c'est un nom un peu bizarre. Donc allez voir sur le menu. Parce que là, je pense que vous allez rire si je le dis. C'est un danzak. Voilà, danzak aux champignons. Danzak, voilà, vous irez voir. C'est le menu de jeudi soir. Et ensuite, j'ai repris du riz thaï demi-complet. Hop. Je sais plus, il y en a un des deux que mes enfants adorent. Que Stacy, voilà. Et je sais plus si c'est le basmati ou le thaï. Mais je me demande si c'est pas le thaï. Donc on verra. C'est pour ça que j'ai pris les deux pour voir la différence. Et ensuite j'ai pris du sucre brun. C'est du sucre de canne brun. C'est pour remplacer le sucre blanc des enfants qui montent dans leur yaourt, eux, parce qu'ils n'aiment pas le Rapatura. Comme celui-là, il n'y a pas ce goût fort du Rapatura, ben voilà, ils prendront celui-là puisque je n'achèterai plus de sucre blanc. Puis je pense qu'ils verront pas la différence, hein, parce que au goût on ne sent pas, quoi, en fait. Oh, si. On sent. Tu sens quoi? Il est plus sucré. Plus sucré. Oui, non, mais il n'y a pas ce goût fort du Rapatura. Je veux dire, le goût, il ressemble au sucre blanc. Ouais. Bon, donc du coup, là, maintenant, je vous mets le menu qui va défiler là tout de suite. Vous retrouverez toutes les recettes qui vous intéressent tout au long de cette semaine dans les vlogs quotidiens et puis sur le blog aussi, au fur et à mesure qu'elles apparaissent sur la chaîne, je les mets aussi en lien pour avoir la fiche recette, etc., pour que ça soit un petit peu plus clair au niveau des ingrédients et tout pour vous. Donc sur ce, je vais vous laisser. Mes chéris étaient déjà en train de bien ranger, donc ça me va très bien aussi, hein. Mais bon, je vais quand même y aller. En plus, j'ai faim, donc je vais manger un morceau. Et je vais boire un café. Mon deuxième de la journée. Pas mal, hein? Bref, donc je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis, bah, à demain pour un vlog. Bye, bisous.